Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un gobelet en papier. Là, on peut le faire de différentes matières, plus ou moins épaisses. Bon, moi j'ai pris ça pour qu'on voit mieux, donc j'ai pris en jaune. Donc à la base il faut partir d'un carré. Donc je vais faire un carré, hein. Je replie les angles ici, je plie bien, hop. Ainsi, ça fait un carré. Je plie le bord. Ici, le rebord. Voilà. Donc vous voyez que ici, cette partie-là est enlevée. Donc je vais la découper hein, pour faire quelque chose de plus net. Donc voilà. Bon, sinon, on peut en pinçant bien. En pinçant très fort, on peut éventuellement l'arracher à la main. Mais bon, là, je voulais faire quelque chose de net. Donc voilà, nous avons notre partie carrée. Donc, vous prenez votre partie, vous la mettez comme ceci. Voilà. Vous repliez cet angle-ci de façon à ce qu'elle soit bien droite par rapport au triangle, ici. Et vous pliez. Vous pincez, vous n'ayez pas peur. Hein. Là. Je fais de même de ce côté-ci. Vous voyez? Hop, je plie juste dessus. Hein, on tombe vraiment à l'identique sur l'autre partie, ici. Vous voyez? Hop. Voilà. Cette partie-ci, je la retourne de l'autre côté, ici, vous voyez? Hein, donc je recommence, je vous dis. Le carré, ça, je plie ici, je plie là, et cette partie-ci, je la mets de l'autre côté, ici. Comme j'ai plié déjà, ça va très facile. Voilà, nous avons un ici et un là. Donc, j'appuie bien pour faire les angles. Après, nous avons ces deux languettes ici, celle-ci et celle-là. Donc celle-ci, je la plie par-dessus ici comme ça, très fort. Et de l'autre côté, celle-ci, de même, très fort. Voilà. Ensuite, je le prends comme ceci, je l'ouvre. Ici, je passe un peu, je fais le passage, vous voyez, comme ceci. Je prends le rebord que je mets à l'intérieur ici, voilà. Comme j'ai bien appuyé sur les angles, ça rentre. Je fais de même de l'autre côté ici, que je mets ici. Donc voilà. Et voici. Et là, j'obtiens ceci. Un gobelet. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, ça nous fait. Et là, vous pouvez mettre de l'eau dedans. Regardez, je vais vous montrer. Hein, comme ceci. Prenez un verre. Hop. Et là, je peux boire un verre. Excellente. C'est un bon cru. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Hein, et voilà, n'oublions pas, la définition du gobelet, c'est un verre sans pied et sans anse. Donc voilà, hein, c'est un peu embêtant, on ne peut pas le poser. Bon, vous pouvez bon, le mettre dans un verre comme ceci. Sinon, le gobelet peut servir éventuellement à mettre des affaires. Ou voilà, je ne vais pas vous dire creuser du sable, mais bon. Merci bien et à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Merci.